Vous vous y connaissez en antiquité? Ah non, je suis une bille. J'ai jamais été foutu de reconnaître un buffet Henri II d'une commode Louis XIII. Mais je vous parle pas de meubles, je vous parle de mythes. Ah bah les mythes, je connais. Alors c'est des vraies saloperies, ça. Il faut pas hésiter à employer la manière forte. Deux bonnes couches de xylophène et vous êtes tranquille. Mais vous le faites exprès ou quoi? Je vous parle des mythes de l'antiquité. La mythologie. Les dieux? Oui, les dieux, les héros. Ah mais bien sûr, je connais. Vous voulez que je vous explique? Oui. Bon bah ça, c'est pas compliqué. Mmh. Alors vous avez les dieux. Bon bah ça, c'est le top niveau. Hein. Ça, c'est les cadors, les tauliers, si vous voulez. Hein. Mmh. Ensuite, vous avez les demi-dieux. Bon, là, on est niveau super-héros. Mmh. Ensuite, vous avez les héros. Bon, là, c'est genre Mohamed Ali, Djokovic, tout ça. Et puis vous avez les mortels, les pauvres types comme vous. Ah ouais. Il n'y a pas à dire. Mauvais l'air d'être un expert. Hein. Bah exactement. Mmh. Et pourquoi vous me demandez ça? Bah parce que c'est ça, la répète ce soir. Quoi, c'est de la musique de l'Antiquité? Mmh. Avec de la flûte de Pan et tout? La flûte de Pan? Mais oh, vous croyez au Machu Picchu? Et quoi, je vous signale quand même que Pan, c'était un dieu de l'Antiquité et qu'il jouait de la flûte. Oui, mais c'est pas de la musique de l'Antiquité. C'est de la musique baroque qui évoque les légendes de l'Antiquité. Ah. Les métamorphoses. Non. Mmh. Ovide, mais j'adore. Ah, mais vous y connaissez vraiment? Mais puisque je vous le dis. Et c'est quoi comme métamorphose? Je crois qu'il y a Orphée. Non. Si? Oh la vache. Qu'est-ce qui vous arrive? Non mais Orphée, c'est... Pouf, là, ça... Orphée, regardez, ça me donne la chair de poule. Ah, regardez, regardez. Ah bah ouais, c'est... Mais faut pas vous mettre dans un état pareil. Hein. Je croyais que c'était juste une légende. Et alors? Une légende, c'est la vie en plus grand, en plus beau, en plus fort, en plus tragique. Une légende, c'est la projection cosmique des cataclysmes microscopiques qui se produisent dans le plus intime du cœur des hommes et qu'ils n'arrivent pas à nommer. Et Orphée, c'est... Pouf. Vous êtes sûr que ça va? Vous me faites flipper, là. Imaginez. Hmm. Deux jeunes. Des gamins, des adolescents. Mmh. Elle, c'est Eurydice, nymphe de la forêt. Elle est belle, elle est lumineuse, elle est pure. Orphée, lui, c'est le fils de la nymphe Calliope et du roi de Thrace. Mmh. Ou d'Apollon, on ne sait pas trop parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de thèse de paternité. Mmh. En tout cas, Orphée, c'est un génie de la musique. Il joue de la lyre comme un dieu. Il est capable de faire fondre les pierres et d'attendrir les animaux les plus féroces rien qu'en leur jouant un morceau sur son crin-crin. Mmh. Bref. Orphée est en train de revenir d'un voyage avec Jason et les Argonautes quand il tombe nez à nez avec Eurydice et là, paf! Coup de foudre. Exactement. Ouais. Ouais. C'est vrai que ça aide bien quand même de savoir jouer d'un truc. Moi, j'ai un copain, dès qu'il joue de la guitare, il y a toutes les filles qui le regardent avec des yeux brillants. Ouais. Pourtant, il a vraiment une sale gueule. Hein. Ouais, bah, Orphée, il avait une belle gueule, lui. Ah. Ouais. Alors bon, bah, ils tombent amoureux de l'un de l'autre, ils sortent ensemble, ils se marient, tout va bien. Lui, il joue de la lyre. Elle, tous les matins, elle va se baigner dans la rivière avec ses copines naïades. Bref, la belle vie. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va se gâter. Bah, évidemment que ça va se gâter, sinon il n'y aurait pas de légende. Ah, oui. Ah, je sais. Elle sait pas nager et elle va se noyer. Bon, dites, vous me laissez raconter, là hein? Parce que si c'est pour vous entendre sortir des trucs genre alerte à Malibu, moi, j'aime autant piller les goules et rentrer chez non, moi. Non, 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 mais hein? excusez-moi. Allez-y, allez-y. Bon. Alors, il se trouve que dans le coin, il y a une espèce de petit vicelard de berger qui s'appelle Aristée. Mmh. Et ce petit pervers, il en pince pour la petite Eurydice. Mmh. Il va même jusqu'à la mater pendant qu'elle se baigne. Mais elle, elle le calcule même pas. Alors lui, il devient comme un fou. Il veut la posséder, il la pourchasse, il la poursuit. Et elle va pour s'échapper, et au moment où elle s'échappe, elle marche sur un serpent venimeux qui la mord et elle meurt. Merde. Elle n'est pas d'Aspi Venin. Non mais dites! Hein? Excusez-moi, mais on peut bien rigoler un peu, non? Non, rigole pas, non, rigole pas. Pas avec Orphée Eurydice, je suis désolé. Hein. Et ensuite, j'imagine que ça a dû lui mettre un sacré coup à Orphée. À penser. Il était complètement désespéré, le pauvre. Alors il décide d'aller dans les enfers, dans le royaume des morts, pour ramener Eurydice. Et le voilà parti avec sa lyre. Il arrive à charmer Charon, le passeur. Et il arrive à charmer Cerbère, le chien de garde. Une espèce de pitbull à trois têtes, vous voyez, horrible. Il arrive même à charmer Pluton, le dieu des morts. Pourtant, ça n'a pas l'air d'être un rigolo, celui-là. Ah bah non, ça je vous garantis que non. N'empêche que la musique d'Orphée, elle est tellement belle que Pluton, il l'autorise à ramener Eurydice à une condition. Qu'il ne se retourne pas sur elle avant d'avoir atteint le royaume des vivants. Bah, fastoche. Fastoche, fastoche, c'est ce que croit Orphée. Et les voilà partis. Lui devant, avec sa lyre, toujours. Elle qui suit derrière. Et au moment où ils vont atteindre la lumière du jour, Orphée n'entend plus Eurydice. Il panique, et là... Il se retourne. Exactement. Et là, Eurydice disparaît dans les profondeurs des enfers en poussant un cri horrible. Ah! Et alors, il est retourné la chercher? Mais non! Il avait droit qu'à une seule chance. Mais c'est horrible! Vous imaginez la culpabilité? Alors, je vous l'avais pas dit que c'était tragique? Ben si, mais là, à ce point-là... Et ensuite, qu'est-ce qu'il est devenu? Ben, il est allé s'installer sur une montagne pour cacher son chagrin et chanter son amour pour Eurydice. Alors Dionysos, qui était un brave type, a décidé de le consoler un petit peu et lui a envoyé ses ménades.
Alors, les ménades, je vous explique, les ménades, c'est des filles très, très gentilles, très, très jolies, pas très farouches et pas très habillées, si vous voyez ce que je veux dire. Ah ouais. Seulement, Orphée, il les regarde même pas. Il continue à chanter son amour pour Eurydice. Ouais. C'est beau, non? Ouais, c'est beau. Bon, en même temps, il faut savoir tourner la page. Hein. La vie continue. Surtout avec des filles comme les ménades. ouais, mais Orphée, il veut pas la tourner la page, lui. Seulement, les ménades, du coup, elles se vexent. Et comme elles prennent des substances pas très nettes, elles se laissent entraîner dans une frénésie de violence. Elles déchiquettent le corps d'Orphée en tout petits morceaux, un peu comme des lardons, vous voyez, et elles balancent le tout à la rivière. Ouais. Seulement, la tête d'Orphée, elle continue à flotter et à chanter son amour pour Eurydice. Alors là, les muses se prennent de pitié pour lui et décident de l'enterrer au pied du mont Olympe. Mais attention, même enterré, Orphée continue à chanter son amour pour Eurydice. Alors, fais-moi le malin, hein ? Voilà, je dois dire que ça m'a secoué un peu votre histoire. Allez, vous avez du travail, allez, vous avez des... Je ne peux pas avancer, je ne peux plus avancer. Si, allez-y, vous avez des... Ne vous laissez pas... Voilà, c'est... Allez.